cette étrange mésaventure est arrivée à une vieille dame, il y a quelques années de cela. Elle s'appelait Joséphine Drumont et vivait seule dans une grande maison bourgeoise située en bord de mer, sur la côte Picarde. Depuis la mort de son mari, elle s'ennuyait beaucoup et passait le plus clair de son temps à regarder la mer depuis la large baie vitrée de son salon. Un matin, elle découvrit une boîte sur la table de son salon. Une simple boîte en carton unie, dépourvue de la moindre illustration. La vieille dame se demanda ce qu'elle faisait là, cette boîte, et qui avait bien pu la poser sur sa table. Elle l'ouvrit et découvrit qu'elle contenait les pièces d'un puzzle. Piquée par la curiosité, Joséphine Drumont entama l'assemblage des pièces du puzzle. Elle commença par les bords, comme on le fait toujours. Elle réalisa le contour. Quand le cadre fut achevé, une étrange sensation se saisit d'elle. Il y avait, dans les teintes de l'image à peine attaquée, quelque chose de familier. Les heures passèrent et Joséphine, totalement absorbée par la construction du puzzle, ne vit pas la journée s'écouler. Elle développa l'espace en haut à gauche. L'image qui apparaissait, petit à petit, était celle d'un intérieur meublé. Les motifs d'un rideau se dessinèrent. Des motifs qu'elle connaissait bien. C'était ceux, exactement, de ses propres rideaux. Ceux de son salon, ceux qu'elle avait juste devant les yeux. Était-ce un effet du hasard? Ou bien l'image de ce mystérieux puzzle représentait son environnement? Cette image pouvait-elle bien montrer l'intérieur de sa propre maison?
poussant un hurlement. De son cadavre en décomposition avait inquiété ses voisins. Les pompiers furent les premiers arrivant sur les lieux. En redressant la dépouille de la vieille dame, ils découvrirent le puzzle sur lequel sa tête était couchée. L'image représentait une vieille dame dans un salon, en train de se faire étrangler par un démon. Mais personne ne fit vraiment attention au décor. Personne ne remarqua qu'il était le même, exactement, que celui dans lequel il se trouvait.